9 à 90 une seconde.
Ça change. Mais
vous attendez pas aussi nombreux, c'est que vous attendiez vraiment le live ou...
Je joue en ce moment, c'est. Enfin, tout à l'heure c'était. Avant de finir le jeu, c'était Ixion et maintenant c'est. Enfin, je joue un peu à Minecraft. Ah, bah disons que. Et bienvenue à toi, Tomino. Bienvenue, bienvenue, merci pour ton follow. 6. J'ai passé une bonne journée. Je suis content.
Mais c'est juste que c'est un truc, on va dire, c'est un truc que je garde assez spécial. C'est un peu comme les bisous sur TikTok, quoi. Ah bah oui, les bisous. J'ai acheté Twitch Turbo. Ah ouais, c'est bon, c'est un peu cher, mais c'est super.
ça va, il nous manque 500 heures de visionnage sur cette chaîne là et on aura atteint le palier. Et il nous manque, ah bah non, attends, je dis de la dé. Ok, non, il manque 1500 heures et 200 personnes sur la chaîne. C'est le lien qui a c'est le lien pour les dons. J'ai pas besoin de modérateur sur cette chaîne là. Heureusement d'ailleurs. Vous êtes sage. Et coucou. Asphalt. Ah, YouTube, ils abusent trop avec les pubs. En plus, je vais être honnête avec vous. Ça rémunère même pas plus le créateur. C'est un truc tout con. En fait, vous savez pourquoi vous avez plus de pubs, vous. Le créateur est pas rémunéré. En fait, c'est parce que YouTube vend les emplacements pubs beaucoup moins cher du coup depuis un moment. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonceurs qui viennent. Et pour les annonceurs, c'est un peu de la pub pas chère. Mais le problème, c'est que, enfin, je trouve que sur le long terme, ça spamme le viewer. Et le créateur, bah, il a rien en compensation.
700, ça va être un coucou. Ok. Alors, vous allez me dire vos mots déclencheurs. On va faire un petit trigger visuel. Vous allez me dire vos mots déclencheurs, pas vrai. Je vais juste mettre le son, ça sera mieux. Voilà. 3, 2, 1.
J'ai la fibre arc, mais dans l'appart où je vais aller, en fait, je sais pas trop. J'avais un débit de 20 parce que c'est à peu près le même style, mais j'avais un débit de 20 Mbps, donc ça suffit largement normalement. Mais j'ai l'impression que ça varie peut-être d'appart en appart, donc à voir. Non, Mathis, désolé, ça ne marche pas. Par contre, nous avons point d'exclamation OF pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez tester le point d'exclamation OF. Sa maison, sa pièce d'eau. Non mais j'ai vu, je suis jaloux. Il s'appelle ça de la DSL regroupée Pickford. Mais c'est un truc centralisé. Ça passe par eux, ça je le sais. Merci beaucoup, Rafi Kicking. Ça sent trop la villa, c'est une villa en Lego. Mais c'est les plateformes qui prennent un genre beaucoup. Ah, tu m'étonnes, Arc. Bah, il garde le reste, c'est pour ça que je le dis. Voilà, je le redis. Pour ceux qui veulent pour donner et qui veulent me soutenir, j'ai pas de commande, mais point d'exclamation, tout. C'est pareil sur tout.
Je précise, non, faites pas des dons de 5 € juste pour 5 €, à part si vous voulez vraiment que je reste jusqu'à genre 4 heures ou des trucs comme ça, mais sinon. Subez-vous, tu vois. Parce que pour 5 € je préférerais que vous. Enfin, je préfère que vous ayez des avantages que. Qu'autre chose, tu vois. Ah, je me doute que t'as dépensé 200. Je sais qu'à chaque fois c'est 100. Bref. Tu es sur Tipeee. Je suis pas sur Tipeee, je passe encore par le truc de Stream Element. Mais j'hésite en vrai. Et merci Alicia. Merci, merci. Bienvenue à toi. C'est pas grave, album gay. C'est pas grave. T'inquiète pas. Je crois qu'on va faire ton trigger, Scully.
vois, bon, je vais pas vous cacher, TikTok, je trouve ça fun, là, les petites animations, moi j'adore ça. Qui avec les pièces sur Twitch, je vois pas trop l'intérêt des pistes en fait. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté ça pour faire genre, bon, t'sais, en gros, bah, vous pouvez passer chez nous, vous avez des avantages, tout ça, tout ça. Ils prennent quand même genre 50, plus de 50%. Ah, parfait, trash mama. C'est ça, boy. Saxon, c'est ce qu'il a fait. T'as vu, y a mon nom, mais c'est plus communautaire, j'adore. Bon, bref, hop, oh, les gens qui ronflent, allez.
Ça va être mieux avec ces bonnettes là. Je vois pas du tout de différence.
Ça m'a fait trop rire, t'en as plein qui, parce qu'en fait j'ai pris des photos de la lune. Et si je vous ai montré pour au tout début, mais j'ai pris une photo de la lune, j'ai pris celle-là.
Ça, c'est la grande question. Est-ce que je suis gay ou pas? Si je faisais
J'ai Esquil, Ripjaw S5, low profile 32 Go. C'est deux barrettes de 16 Go en DDR5 6000 Hz CL30. En carte graphique, j'ai une Gainware GeForce RTX 4070 Ti Super Panther OC. Alors, je précise aussi que j'ai eu des demandes en termes de port USB, ce qui fait que ça a limité pas mal de choix. J'ai demandé à avoir environ une dizaine de ports USB parce que j'ai besoin de ports USB type A. J'ai demandé également, je crois, au moins deux USB type C. J'ai demandé également plusieurs HDMI. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a aussi ça qui rentre en compte. Que moi, je peux pas prendre en fait. N'importe quoi, j'ai oublié de presser. J'en ai pour 3000 euros, un peu moins de 3000 euros normalement. C'est juste que j'ai 3500 avec les garanties. Alors, je sais que certaines pièces c'est garantie 200. Moi, ce que je vois, c'est surtout la garantie de. C'est une autre garantie, c'est pour changer la pâte thermique 3 fois par année, etc. etc. Enfin, faire une révision complète. Après, je sais pas encore si je vais la prendre, honnêtement. J'ai pas confiance, pour être honnête. J'ai pas confiance. C'est ça que je disais, LDLC au moins c'est implanté. Tu sais qu'ils font pas faillite dans les jours à venir, tu vois. Alors que le problème des petits magasins, c'est ce que je disais, déjà j'ai pas confiance. Et en plus, bah, la faillite c'est assez commun, quoi. J'ai pas envie de monter mon PC moi-même parce que déjà, si je pète un composant, ça va être de ma faute. Et
faire les trucs moi-même flemme. Tu fais du tapping sur quoi, Angélique? Coucou les amis, à compte. J'ai regardé les avis sur parce que c'est un nouveau magasin qui s'est implanté, c'est à New York. Et les avis sont vraiment très bons. Ils sont assez pro, le mec. Tu vois quand même qu'il est un peu marketing, hein. Mais le mec, la première fois, parce que je suis venu deux fois, la première fois que je suis venu, on a parlé pendant une heure de téléphone. Il a pas essayé de me vendre rien du tout en fait, tu vois. Donc c'est pour dire que vraiment, enfin moi c'est ça qui m'a dit que ouais, ils sont pas mal bons, tu vois, mais que j'ai pas. Il y en a toujours eu sur Twitch, mais beaucoup moins. Ce genre de message, j'en ai sur toutes les plateformes. Je suis habitué à. Ça, je confirme effectivement. Accueil chaleureux, baisser des panneaux. Professionnel. L'accueil, l'écoute client, la compréhension du besoin pour le montage à la carte qui correspond parfaitement à la demande d'outils et des réalisations du PC en 4 jours.
J'ai amené mon PC fixe qui avait gros problème de ralentissement freeze, problème réglé en 48 heures. Et aucune intention de vendre du matériel inutile. Très bonne expérience, je reviendrai sans souci. Prochaine config, je leur laisserai la monter. Donc voilà, et c'est que des avis comme ça. La modération, c'est moi. Je stream également sur YouTube. Ah, je fais plus attention aux critiques. Ouais, non, je fais plus attention. Ouais, mais tu es biaisé, Arc. Non, c'est pas des bots. Genre, c'était. Oh, regarde, un bot, j'aurais pas marqué le cat. Local qui tourne 5 étoiles, local qui tourne 51 avis, 5 photos, enfin, c'est que des. C'est beaucoup de local guide. Et j'en fais partie, hein, donc je sais comment ça fonctionne. Tu peux pas botter des trucs comme ça. Je vais être honnête avec toi, je sais pas si tu connais comment ça fonctionne Arc, mais les avis Google, tu peux pas les enlever, les entreprises peuvent pas les enlever comme ça, tu es obligé de prouver que ça a été intentionnel et ça a été pour que c'est un mauvais avis en fait. Tu es obligé de le prouver pour pouvoir l'enlever, sinon tu peux pas. La personne voulait aller chercher une souris et elle voulait la tester en main. Du coup, elle a demandé si on pouvait ouvrir le truc. Et là, la personne a dit, bah, en gros, non, on n'ouvre pas ici. Et voilà, la personne n'a pas été, était pas contente. Du coup, elle a mis 3 étoiles. Chouette. Et bienvenue Annie. Merci pour ton vlog. Bienvenue à toi. Coucou Teresa, je l'ai jusqu'à 3h pour l'instant. SMR lecture d'avis, le concept évolue. Coucou ton chat, Teto, coucou. Non, en vrai j'ai confiance. Franchement j'ai confiance. Moi je vais faire mon PC là-bas. Je suis décidé de toute façon c'est mort pour me faire changer d'avis. Puis comme j'ai dit, si jamais j'ai un problème, tu vois, je peux faire réparer chez eux. C'est un PC qui
Ça c'est sûr, Arc Boy. Ça c'est sûr. Je sais qu'il rachète tout. Après, bon, après, ceci dit, c'est pas mon problème. Non, mais sérieusement, je sais qu'il rachète beaucoup de choses. Et ils sont un chouïa plus cher. Mais moi, je vois le fait qu'ils sont présents partout en France, tu vois. Dans la ville où je vais être. Donc, si jamais j'ai un problème, j'ai juste à aller le faire réparer là-bas. J'habite en Charente-Maritime. Non, bientôt je serai vers La Rochelle. Après mon avis est biaisé. Alors, je confirme, j'ai compris que tu n'aimais pas LDS et que si tu pouvais faire brûler le siège social, tu l'aurais fait depuis longtemps. Chance. Parce que si tu veux être éthique et en même temps, si tu veux être éthique et en même temps, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, et tout racheter, ça va être compliqué parce que généralement, faut choisir entre acheter.
Leaf.
C'est ma sœur qui fait du bruit à Astronautique. Non, c'est ma sœur. C'est quoi ton produit qu'on rigole, Django? J'ai peur. Sans rien. J'ai augmenté les prix et c'est mieux pour l'instant. C'est beaucoup mieux. Et bonne nuit, madame Saxon, faites pour elle. Bah, de toute façon, je pouvais pas continuer comme ça. Je pensais mieux que genre que vous ayez un trigger, mais qu'il arrive genre un peu plus rapidement, que vous attendez toujours une heure pour en avoir plein, mais que ça frustre tout le monde en fait. Puis pour l'instant c'est comme ça, mais comme je disais, c'est pareil, dès que je vais faire du multi-stream, je sais pas comment je vais faire, parce que je pourrais pas, enfin là pour le coup faudra être sûr que les personnes qui ont demandé
J'ai été voir le fait d'artifice, etc. C'est pour ça que j'ai commencé il y a...
Fun fact, j'habite, enfin je vais habiter plutôt à 3 minutes, même pas à pied, de Burger King et McDo. Et je vais être juste à côté de, enfin c'est pareil, je vais être à 3 minutes à peu près de
C'est un peu spécial le arc du coup. Je sais pas quoi te répondre par rapport à ça. Je peux pas te conseiller. Mais c'est vrai que si tu veux mon avis, c'est vrai que le fait que. Enfin moi je pourrais pas. Bon, déjà je suis gay donc ça enlève le truc, mais. Je veux dire, moi je sais que je pourrais pas avoir d'enfant, sachant que j'ai pas une situation stable, tu vois.
Je m'étais
jamais parlé de LGBT ou de gay ou peu importe. Quand j'ai découvert ça, j'ai découvert les termes en fait ensuite. Et c'est ce que je disais il y a un moment. Quand je me suis au tout début en fait, quand j'ai commencé à comprendre que bah, j'aimais le mec et que j'étais tombé amoureux, je sais pas où j'ai. En fait, ça m'a paru un peu naturel, même si ça me faisait un peu peur parce que bah, c'était la première fois, tu vois. Ça m'a fait un peu bizarre. Mais ce qui m'a fait, en fait, ce qui m'a fait me dire que c'était pas normal, c'était pas ça, c'était le fait qu'ensuite j'ai eu des réactions de mes camarades de classe qui étaient vraiment pas sympas. Et c'est là où je me suis posé les questions, tu vois. Et ensuite j'ai découvert ce que c'était la commune LGBT, être gay, etc., etc. Donc moi, de mon expérience, enfin, pour moi, c'était inné. Après, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est tout, voilà. Je m'embête pas avec ça, enfin personnellement.
Ah.
je crois qu'il m'a proposé un deal sur Insta. C'est un site ASMR, mais en fait tout est payant, donc c'est pas non plus fou quoi. 26.
Ce soir, je vais tenter de me mettre un film parce que j'arrête pas de regarder des dessins animés en ce moment.
Stone.
fesses. Ça dépend où tu vas, et puis heureusement il n'y a pas que ça, tu vois, c'est pas que ça qui compte, mais c'est vrai que avoir des contacts ça compte quand même énormément, et dans certains métiers ça compte même plus qu'avoir des études, c'est ce qui est assez étonnant. Et loin que cela de quand tu vas quoi. Tu fais peut-être une allergie, Clara. T'as été rincée à l'eau. Ça sert à rien dans n'importe quoi. Tu peux pas, en fait, tu peux pas indéfiniment tout sacrifier pour une chose. Même si c'est ta passion, par contre, un truc tout bête, là je le fais pour je suis tout le temps en stream et tout. Et je le vois bien que ça me pompe mon énergie, tu vois. C'est pour ça que je sais que quand j'aurai mon matos, je serai moins en stream. Tout simplement. Pour ma santé à moi. Pourtant, ça veut pas dire que j'aime pas les aimer. Mais voilà. C'est juste un truc comme ça, mais ça marche avec tous les études. Faut pas se plonger à 100% dans le travail, c'est pareil. Le travail, tu peux pas indéfiniment travailler toute ta vie. Enfin, dans le sens, je veux dire, genre tout le temps sans rien faire en dehors. Après, pour moi, c'est différent. Comme je disais, je peux pas travailler dans un truc qui me plaît pas. Ça marche pas avec moi. J'ai déjà tenté. Littéralement, ça me fout le blues très très vite. Et puis, généralement, j'avais fait un mois à District Center, du coup, pour un. It's okay, Harry. J'avais fait un mois pour un job d'été, quoi. Et je l'avais vu au bout d'un mois. Plus envie quoi, ça me saoulait déjà. Et loin des comptes, tu vois. Moi je suis un peu introverti, mais le stream ça va. Mais c'est vrai qu'après le stream, je vais pas vous cacher, j'aime bien être seul. J'aime bien être seul et regarder ma télé. Ah, ça fait du bien. Après, ça n'empêche pas, je suis. Comment ça? Je peux quand même faire des efforts et continuer, tu vois. Ça me dérange pas non plus tant que ça, le temps que je suis pas tout le temps, genre 24 heures sur 24 avec quelqu'un que je suis pas. Tu vois, ça va. Et coucou Apex, comment tu vas?
Ça me permet de payer le matos que j'ai payé.